Les gars, parlez, non ? Je te dis, tu me laisses mon temps, moi ! Tu peux pas ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdas en commençant par Kinaï Santiago 66 et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Tais-toi et t'aimes pas là, t'aimes pas la surprise que je t'ai fait, c'est un poney, c'est ton rêve non? Vas-y c'est bon, avance, avance. T'arrives même pas à le faire avancer. Et après tu me dis ouais. Mais... ça arrive pas. Hola zombie. Quoi? Frérot, tu m'as ramené un poney, moi je veux un cheval. Un cheval, tu peux pas monter, tu fais pas la taille. Un poney, tu fais la taille. Oui. Là c'est bon. Et tu jettes le casque par terre. Je rigole pas avec toi, hein. Je rigole pas avec toi, je t'ai ramené ici. En plus t'es pas content, pas de merci, rien. Et tu jettes. Je le plains le poney. Hein. Oh descend, descend, descend. Non. Tu vois pas, il supporte pas ton poids. Regarde. Il supporte pas ton poids. Descends. Descends, regarde comment il est. Il comprend pas qu'il supporte pas son poids. Il supporte pas ton poids. Voilà l'élégance, regardez comment il tient. Mais qui c'est comme ça. Comment lui il est arrivé mon nom? Regarde, le ventre. Toi t'es trop lourd, lui non. Non, je veux monter. Vas-y, vas-y, avance mon gars. Regardez, oh. Il a la classe ce type. On nous donnait des carottes là. Là, t'as vu ça? T'as une cour. Mais en mange une toi aussi, t'as besoin. Oh, je te parle. Oh, Rico. C'est pas bon de saler les légumes. En plus, je dis. C'est bien les pâtes. Allez, pas, tu veux donner des pâtes à un poney? Tu veux des pâtes? Il veut des pâtes. Dégage, 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 dégage. Attends. Dégage, dégage. Tu veux des pâtes, tu veux des pâtes. C'est vraiment un film les gars, je vous jure. Regardez, il est en train de faire quoi? Regardez. Tu fais quoi? Arrête, arrête, arrête. Écoute, tu fais quoi là? Ben je fais la pêche au ça. Au canard. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Comme ça je vais porter moi. Et voilà, je m'amuse et je gagne le ticket de ça. Ah si tu me plains là dedans, tu gagnes le ticket des manèges. Voilà. En fait, dans ta tête, t'as rien. T'es un gamin. Comment, t'es un gamin. Comment moi, je suis un gamin? Arrête de faire l'énerver, t'es un gamin, mon frère. Tu veux monter dans des manèges? Ben, plus mal toi, regarde. Regarde, moi, je pêche et j'aurai ma place. T'as vu? Je suis intelligent, Kinaï. Si tu t'es mis maintenant. Ouais, ça, c'est vrai qu'il est joli. Il a raison, Rico. Toi ah, aussi, tu veux gagner ton tour. Porro. Porro? Ouais. Mais dis pas que toi aussi, tu le fais, ça. Ouais, ça va monter tous. Et ouais. Vous voulez tous monter au manège là, ouais. Si je comprends bien. Il triche. Attention, attention. Il va casser attention. Le manège. Attention, attention. T'as vu, sinon j'arrive à monter, Kinaï. Et là, t'es content là. Ah, t'as vu. Il n'y a que des bébés. Et t'es là, toi. Vas-y, Jadou. T'as pas vas-y, honte. Vas-y, Kinaï, chaque fois tu me fais honte. Vas-y, vas-y. Ouais. T'as vu, là, j'arrive à monter, Kinaï. C'est vraiment des bébés, les gars. C'est un truc de fou, les gars. Je passe une honte de malade. Là. J'ai honte pour eux. Regardez, ils sont en train de monter dans un truc de bébé. Ils sont là. Moi, je vous dis la vérité, là, je vois que vous avez une bonne éducation. Vous donnez des trucs à manger aux chèvres. T'en veux qu'il aille? Je rigole pas avec toi, moi, je veux pas, moi. Bébé. Vas-y, donne-lui. Mange, mange. Mange, je vais pas manger. Tiens. Regardez, il y a vraiment tout. Il y a des canards. Là-bas, il y a quoi là-bas? Il y a de l'oiseau, des lapins. Sors d'ici, sors, je rigole pas avec toi, sors, hein, je rigole pas avec toi. Il y a un peu de tout. Pourquoi ça range pas les carottes? Essaye même pas de les rentrer parce que non, ça rentre pas. Non, tu vas voir, non. Je te jure, regarde. T'es rattrapé. Ça va faire des bouts. Je connais moi la marge. Tu regardes quoi? Du foin qui naille. T'as vu dans les trucs les trois petits cochons? Quand il souffle le méchant, eh ben ça, c'est bien pour l'hiver. Et toi, tu veux te faire une cabane? Ça couvre, ça. Ça couvre? T'es vraiment fou, mec. Mais ça mange pas. Mais c'est obligé que ça mange pas, c'est du fouin, mon frère. Ils m'ont dit qu'il bougeait. Viens, viens, oh. T'as vu, j'ai pas envie de rigoler avec toi, viens. Juste, écoute.
Quoi devant une machine, des trucs à manger? Kina, il faut que tu me prennes des trucs. Ah, tu veux que je te prenne des trucs là? Ouais, rien que ça, regarde en haut là. Le Kinder, 3 barres comme ça et c'est tout. Tu sais que là, je te cherchais, on allait partir. Où? Au quartier? Comment on? Mais moi, je veux ça avant de partir. Chaque fois que je te ramène, t'as vu, c'est pas contre toi. Chaque fois que je te ramène, tu viens juste pour bouffer. Mais Kina, j'ai faim. Regarde le Kinder plein. Là, on allait partir au quartier. Mais on a oublié Polo. À cause de qui? À cause de lui, parce qu'il va manger. Là, là. Et là, il est où, là? C'est moi. T'inquiète. Oh, t'inquiète, c'est moi. Kina, c'est quoi le délire à Polo? Foot? Ouais, ah ben, il est là, il joue. Je veux pas. Regarde, hein. Papam. Il est en train de jouer avec des petits. Regarde. Regarde. Je vais aller le voir. Regarde. Viens, on va le voir. Viens. Voilà, Porro. Oh, Porro, t'étais où? Porro, viens. Viens. T'étais où? Wesh. T'étais où? Je te cherchais. Bah, ça tu joues au foot. Et en plus, t'as trouvé des collègues. Ouais. Tu vas jouer avec eux, là. Ouais. Vas-y, joue. Là, vous allez jouer, vous, l'équipe de Saint-Jacques, contre l'équipe de Bompas. Tu t'appelles comment, toi? Moi, j'ai envie de Jamal. Et toi? Naïm. Et toi? Les gars, je compte sur vous pour gagner. Oh, les... Représentez le quartier Saint-Jacques. Allez-y, les gars. Allez, les gars, les gars. T'es goal, mon gars. Te laisse pas marquer. Regarde. Allez. Joue bien. Sois concentré. Allez, les gars, l'engageons. Allez, allez, ça joue. Engageons, vas-y, ça joue. Vas-y, Porro, vas-y, mon gars, vas-y. Bien joué. J'espère qu'ils vont pas marquer. C'est bien. Vas-y, Porro, vas-y. Non, bien joué, Rico, bien joué. C'est un bon goal. Porro, vas-y, Porro. Vas-y, Porro. Vas-y, bien joué, Porro, vas-y. Vas-y. Vas-y, Porro, vas-y. Vas-y, Porro, vas-y, mon gars, vas-y. Vas-y, Porro, vas-y. Ouais, 1-0. Vas-y, Porro, vas-y, ça toi. Bien joué, Porro, c'est un truc de malade, chip. Qu'est-ce que tu fais? T'es là, alors qu'il tire là. Il y avait 1-0, on allait gagner. Là, il y a 1-1, à cause de toi. Ils ont fait un but. Regardez. Et regardez les autres, ils ont rien encore. Garde lui. Lève-toi. Lève-toi, à cause de toi, on a pris un but. Lève-toi. Lève-toi, viens, donne ta main. Lève-toi, on va gagner. On va le gagner ce match. Mon frère, fais des efforts, non? Des buts à cause de toi. Tu fais quoi? Tu dors? Tu fais quoi? Désolé. Joue, vas-y. On va remonter, les gars. On va remonter. Bien joué. Un autre but de Porro. C'est un truc de malade. S'il n'y a pas lui dans notre équipe, les gars, on a un penalty. Porro, vas-y. Oh, wagon, toi, qu'est-ce que tu fais? Wagon. Vas-y, le penalty, Porro. Regardez comment il est concentré. Vas-y, Porro. Je sais que tu vas marquer. Je sais le quartier Saint-Jacques. Vas-y, Porro. Vas-y. Bien joué, Porro. Bien joué. Avec combien? 5. Et nous? 3. C'est pas grave. Porro. On a joué bien. T'inquiète. On reste des frères. Faites-vous un câlin. Vas-y. Allez-y, les gars. Allez-y. C'est pas grave. Là, je t'ai pris tout seul. Ouais, on est tout seul. Bah ouais, il y a que toi et moi.
Dis-moi la vérité, t'es sincère avec elle ou pas, Maria? Dis-moi la vérité. Ouais, ne mens pas, on est tout seul de toute façon. Moi, je te dis la vérité. Tu sais que t'es mon collègue, je t'aurais dit, je suis sincère avec elle. Tu l'aimes? Ouais, je l'aime bien. Pour... Je te dis pas pour l'instant, je suis amoureux, mais je l'aime bien. Tu l'aimes bien, quoi? Ouais. Ouais. Rien à dire, t'es le meilleur comme toujours. C'est le meilleur, les gars. Hola, zombie. la famille, je suis avec Kinaï en direct de sa story. Là, il y a mon deuxième compte Snap. Je vais tous aller voir. Me régale. Hier, j'ai demandé l'avis de mon roi s'il était sincère avec Maria. Il m'a répondu pour l'instant, ça va. Mais regardez à qui. Tu fais quoi? Dis-moi la vérité, me mens pas. Est-ce que t'es sincère avec Mocha ou pas? Bien sûr. Mais comment ça se fait que t'es toute seule ici au quartier? Je sais pas où il est, il me répond pas. Après, c'est normal. Ça fait pas très longtemps que vous parlez. Avec le temps, ouais, après, ça va marcher. C'est ça, il faut pas rester tout le temps collé. Faut prendre son temps. Exact. Attends. Pourquoi tu vas vite? Comme ça, tu vas vite. T'as même pas de protection, t'as rien. Tu vas te faire mal. Je viens de sortir. Me casse pas la tête, je viens de sortir. T'es pas mon père pour me donner des conseils. Allez, sors, casse-toi. Je lui donne des conseils, il s'énerve contre moi. On passe à la story de Bison Blanc 66777 sur Snap. Sincère ou pas, je veux vos avis. Eh, hey, Marseille. Ouais. En ce moment, t'appelles comment? Le perdeur. Pourquoi? Parce que je fais que perdre. Un pick-up, deux pick-up, trois pick-up, pète sa mère, voilà, pète sa mère, voilà. Pète sa mère. Un pick-up, deux pick-up, trois... Mais ça va pas ou quoi, là? Oh, t'as rien marqué quoi sur mon front? Aujourd'hui, la famille, entraînement de foot, porteur de ballon. Bah oui, bien sûr, c'est ta mission, porteur de ballon. Entraînement de football, aujourd'hui, on va s'entraîner, la famille, on va devenir des grands joueurs, on va devenir Zinedine Zidane. C'est ma part, cousin. Grand joueur de football, ma gueule. C'est ma part, moi. Grand joueur de foot. Ah, faut voir les actions qu'il a faites dimanche. Voilà. Et oui, montre-leur le jeu de jambes. C'est quoi? Le numéro 10. Aïe! Enfin les crampons! Je fais du 49, je me raconte. Ouais, t'es sérieux, je fais du 49 là? 45 là. Ouais, j'étais sérieux, je fais du 49. Y, il a acheté ses crampons plus aujourd'hui. De base, ça devait être un entraînement. Mais malheureusement, on n'est pas plus de 10. Donc du coup, on fait hala. Et je vous mens pas, j'ai mal de fou ici, wallah. J'ai mal de fou. Le petit jeune de la cité, oui, les bouteilles d'eau, me la régale. Merci, petit frère. Tu me régales. Et on m'a dit que je bois 3 litres d'eau. Donc, du coup, go boire 3 litres d'eau. Ah ouais, toi, il n'y a vraiment rien à dire. Continue comme ça. T'es en patron au milieu. Titulaire indiscutable. Ah ouais, toi, il y a. On passe à la story de Samos Perpi sur Snap. Direction l'entraînement. Petit match amical. On vient de sortir de la maison. On va se décrasser un peu là et après petite douche direction au quartier, tu connais. De toute façon, j'ouvre Snap et tout, ne vous inquiétez pas. Voilà, en plus il y avait du monde au quartier, personne voulait me déposer. De toute façon, j'ai compris, dans la vie, faut juste compter sur soi-même. Compter sur personne. Si personne vous demande, faut pas demander, faut marcher. Bon, au moins ça me fait déjà un petit entraînement. Marcher jusqu'au stade. Faut que je marche tout droit et que j'arrive jusqu'à la fin de cette ligne. Et je vous jure, ça fait
cardio quand même. Sous le soleil et tout. Vas-y, c'est pas grave, vous voulez pas me déposer? Merci, non, c'est bon, merci. Vas-y, vas-y, Natchab. Je veux même pas que tu me déposes, moi. Il s'arrête là, paye même me déposer. Je préfère marcher, moi. Voilà, vas-y, porteur de ballon, vas-y, marche. Vas-y, arrête. Voilà, il est pas. Eh, vas-y, elle est gourde. T'as oublié les gourdes. C'est le porteur de ballon, mesquine, voilà. Il a pas de licence. Ah, t'es interdit, toi, de jouer. Vas-y, porte les ballons, porte. Et attention, hein, quand il y a pas, ramène-moi de l'eau. Mais non, faites le tour un peu, arrêtez de grimper. Oh, il y a des entrées, frérot. Voilà, ça délire, hein. Mais non, faites le tour un peu. Ne fais pas le riche, on sait que t'as part. On sait que t'as les dents et que tu veux ta part. J'ai toute ma tête, je sais à qui je dis bonjour. Le sale et moi on est passé. La bourgeoisie est un gros luxe auquel peu de frères y ont accès. Moi j'en ai marre, ça y est, je m'en vais au quartier. Le foot, c'est pas fait pour moi. J'ai pris 10 petits ponts, 3 passes profondeur. J'ai fait un demi-jongle. Et je suis sélectionné dimanche. Je comprends rien. Allez, à plus tard les nuls. Allez, à plus tard les nuls. Je voulais savoir si dans mon snap, il y a des personnes intéressées par des formations ferroviaires. Donc pour toutes les personnes intéressées, répondez-moi par oui, tout simplement. Je voulais savoir si... Je sais que c'est très intéressant, frérot. Ne t'inquiète pas, dans pas très longtemps, je vais vous le partager. J'attends juste un peu plus d'avis positifs et je vous le mettrai en story. Juste reste connecté, frérot. Seb, ne t'inquiète pas. Comme j'ai dit pour tout le monde, dans pas très longtemps, je vais le mettre. Donc juste reste connecté dans mes stories et tu le verras très prochainement. Seb, ne t'inquiète pas. On passe à la story de Mamadou 6TT sur Snap. Mais quand j'ai trop mal au pied aujourd'hui, laisse tomber, ça va pas du tout, je suis blessé partout. Oh là là, ces matchs là m'a fait mal. Hein. Oh là 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 là. Là, comme vous avez vu ma story, genre là, j'ai mis des infectés, laisse tomber, c'était. J'ai pris une heure pour nettoyer au moins. Une heure. Dites-vous, une heure. Hein. Là, ça va pas du tout ce côté-là. Laisse tomber. Mais bon, j'espère que ça va mieux avant le prochain match, Inch'Allah. Là, quand je dis là, j'arrive au quartier, là, à mon avis. Il y a du monde. Et... Ouais, à mon avis, ouais, il y a du monde. Franchement, pas mal comme d'habitude. Hein. Franchement, c'est blindé. Il y a du monde. Y'a, regardez là-bas, oh là là, papa, franchement, y'a du monde, les gars. Ce soir, il fait beau, y'a des petits entrejoues partout, il fait beau, laisse tomber, y'a du monde, les gars, c'est ça, comme d'habitude. Momo, j'ai une petite question pour toi, là. Dis-moi, est-ce que t'es sincère avec... Ouais, bien sûr. Ta meuf. Avec Maria? Ouais. Bah ouais, moi. Est-ce que je peux savoir, t'as combien de meufs? Ou genre t'es sincère ou genre t'es fidèle ou genre tu pars gauche-droite? Moi je suis un mec. Faut dire la vérité. Je suis un mec halal moi. T'as vu? Pour ça moi je cherche un cœur blanc, j'en ai marre des bimbos, des. T'as vu? Moi je cherche un cœur blanc, une fille bien. Du coup tu l'aimes vraiment alors ça veut dire? Ouais. Frérot, Devon, t'étais pas capable de faire un bisou quand même. Mais parce que moi tu connais, je suis un mec du halal moi. T'as vu? Moi je suis un mec dans le halal, je fais pas les choses devant les gens. Frérot, voilà, il est en train de me choquer là, il me dit ouais, ça, frérot, j'ai rien à voir. Frérot, normalement, si j'aime quelqu'un, une personne, voilà, je, sans avoir honte, je fais un bisou, genre normal, je m'en fous, moi. Mais lui, je sais pas ce qu'il fait, mais bref, je comprends son délire. Et là, je viens de faire une course aujourd'hui à BEM pour acheter quoi? Le matelas gonflable. Et 6 hein, 6 matelas gonflables, 8, voilà, 8. Et vous voyez très bien, voilà. C'est-à-dire, on doit charger tous les trucs. Maman, à votre avis, c'est quoi ce proie, à votre avis?
Et voilà. On passe à la caisse. La famille. Voilà. Et voilà. Bah ouais, hey, même mon starco c'est là que stricaille. Change le. Voilà. Là, ils ont chargé. Rentre à la maison. This ain't no surprise. Every other night another movie get made. On passe à la story de l'enfer.66 sur Snap. Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dis-moi que c'est truqué. Regardez comment elle est posée. Dites-moi que c'est truqué. C'est la rue Maria Islam, frérot. T'as remarqué le nom de. L'homme du cinéma, ça fait longtemps l'homme du cinéma. Celle. DZ, balade quoi? DZ, balade DZ. DZ. La frappe. On la frappe. ترافيك كان تهديد نهاسن مش شغل بالكلمة راجي غير قارية السيجار اللي في فمك ديرو في قاع كاليها معاك مافيا بصوات رتس بارك الله فيهم بارك الله فيهم Le rat, discret, prudent, intelligent et. Lui, c'est un mec de ma cité, il est trop dangereux. Il a 4 calaches, 500 000 euros de côté. Attention, quand tu le regardes dans les yeux, faut baisser la tête. On passe à la story de Cappuccino tiré du bas off sur Snap. J'étais à la piscine, c'était l'été, faisait trop chaud. Moi je suis une vraie zaboula de la street de ta Tunisie. Tu peux pas me la faire à moi, tu peux la faire à les autres, la Ziz, tu vois. Mais Capou, voilà, tu penses mal. Voilà, pense tu penses mal dans ta tête. Frère, tu vas me faire zaboula à moi voilà. Aujourd'hui, vous avez un nouveau concept. Tu ris, tu payes, tu payes. On passe à la story de Lenny de retour sur Snap. On va au quartier. S'il vous plaît, ne tuez pas la maison. Ne niquez pas le mobilier, les gars, s'il vous plaît. Pas de bêtises. Hein? Il y a une play. Mais tu crois on est chez ta tante? Il y a la play. Frérot, il y a pas de play ici. Déjà, reste tranquille. Oh là là. Sois pas trop. Je rigole mon sang. Mais faites pas galère s'il vous plaît les gars, c'est tout ce que je demande. On tire, on tire, on pétard, non, tranquille, t'inquiète, on gère. Ouais. Vas-y.
Et toi, la tête de homme, toi tu commences à foutre la merde, toi. Il roule à l'intérieur, il a un poil. Habille-toi déjà, mon frère, là. T'es le seul qui a un poil. Wesh. Et elle va craver. Ils veulent plus se lâcher, les deux. C'est une dinguerie, ils sont tout le temps se couchant ensemble maintenant. Hein? Hein? Il y a les nuages. Et mettons passe à la story de Billy DZ 660 sur Snap. Alors Mouha avec nouvelle copine. Ah ouais. Hlal direct. Tu parles pas chinois toi. Je parle pas chinois. Oh là on dirait que tu cherches les papiers mon frère. Oh là on dirait que tu cherches faire les cartes 6 jours. Vous êtes mauvais, voilà les gars. Elle est là. Appelle-la. Fais-la comme ça. Maria, viens voir. C'est quoi? T'as fait quoi? J'ai fait un bisou là-bas. Et t'as fait un bisou? Dis-la, ouais, elle aussi t'as fait un bisou. Je suis sincère. Ah ouais, un ponti avec tisane. Sahet, Radouane. Ça c'est whisky marocain ça. Avec tisane. Avec tisane, whisky marocain avec un tisane. Là les gars, je rigole, c'est du thé. Vraiment, elle est incroyable, regardez. Et on finit aujourd'hui avec Remo de Felbario. Aujourd'hui, le sou de la chienté. Allez-y là-bas, la danse, elle est au-dessus de moi. Allez-y, vous allez regretter le plat du jour, les frères. Qu'est-ce qui prépare aujourd'hui le sou? Je veux juste cette story pour rappeler qu'il y a certaines personnes qui aiment bien être des halal, mais que quand ils veulent. Juste cette story pour rappeler qu'il y a certaines personnes qui aiment bien être des halal, mais que quand ils veulent. La vérité, tout. Voilà tout, mon gars. Mais pas cette phrase, wesh. Pas après ça. Mais non, il y a trop de trucs. Wesh, non, t'es parti trop loin, mon bug. Je vais pas. Allô, salam. Ça y est, enfin la vidéo sur YouTube. Mes voisins, ils ont jamais fait autant de bruit, frère. Wesh, c'est quoi tout ce boucan là? Ça me répond même pas en plus. Ça va. Ah ouais. Ça a dit de faire des siestes. Qu'est-ce que je fais? Ça se voit, non? Voilà, c'est notre. Mais c'est quoi tout ça, wesh? Ça nous a réveillé, il y a un showcase ici ou quoi? Wesh! Encore! C'est le camping! Ça se voit, non? C'est toi, je te connais, toi! Toi aussi, je te connais! Bah ouais, on connaît. Ah ouais, grosse musique, hein, frérot, vous avez des voisins! Oh! Ouais! Ouais, c'est la personne qui m'écoute ou quoi? C'est toi le responsable? Ah ouais, j'étais sûr. T'es de quelle origine? Marocain. T'es marocain? Ouais. Toi, t'es marocain? Là, je te pardonne alors. C'est toi le responsable? Encore. Colis. Tous les jours, wesh, là, c'est dingue. C'est quoi ça encore? Des colis? Ah bon? Ah putain, j'ai cru que c'était des gâteaux. C'est quoi? Quand je pense, il y a encore une semaine, le quartier il était comme ça. Il n'y avait pas un chat, frère, tous les jours. Et là, laisse tomber. Rempli. C'est une ville maintenant. Quand je pense, il y a encore deux dates sur une table. Il y a les deux.
deux dates sur une table. Arrête, wesh, c'est le monde à l'envers. Donc c'est pas toi qui joues, mais c'est elle. Ouais, en plus il me casse la tête. Mais wesh, mais il te demande de le calculer. Ouais, mais je joue. Mais t'es sûr que c'est pas toi qui es pas sincère? Ah, c'est très sincère. Bizarre cette histoire. Dis-moi trois prénoms. J'arrive moi. Raymond. Oh, tu vas être moi, on va marquer après. Raymond. Tu vas pas Raymond. Ah non, Raymond. Sûr. Raymond. Ouais, Raymond. 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 T'as déjà entendu quelqu'un qui s'appelle comme ça? Je sais jamais. Isaac. Ça commence par un K. Thaïs. Non. T'as personne. Kinder. Kinder surprise. Et voilà, c'était la story de Crimo 2 et des membres de la team Nasdas. Et Crimo, il a eu aussi ce petit problème là. Comme Nasdas, comme beaucoup d'influenceurs, ils ont réglé ce problème là. C'est que des bouts de story se mettent en repeat continuellement. Donc t'as pas la suite. Donc pour avoir la suite, il faut cliquer. Ça décale les stories, tout ça. Donc ça faut faire. Je crois que c'est une option. C'est l'option repeat. Répétation, répète. C'est l'option de répéter la même story 10 fois à l'infini. Qui s'est enclenchée toute seule sur tous les comptes Snapchat, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Bon, ça va, c'est le temps qu'ils s'en rendent compte. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Quant à ceux qui n'aiment pas mon commentaire ou qui n'ont pas le temps pour écouter mon avis, vous pouvez arrêter la vidéo en appuyant sur le bouton stop. Ça prend une seconde, c'est pas très compliqué, une seconde. Tout comme mettre un pouce bleu avant de partir, bien évidemment, pour encourager la chaîne, c'est gentil. Voilà, donc je vais vous faire un débrief. Donc voilà, ce qui m'a marqué le plus, c'est les poneys de Kinaï Santiago et moi. Moi, est-il sincère ou pas? Ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle l'histoire de Anwar avec Asia. Anwar et Asia. Anwar, le BG qui était amoureux de Asia. On a douté de sa sincérité, mais lui, il a été loin jusqu'à l'embrasser au réveil et... Assis au réveil, c'est pas, comment dire, c'est pas, voilà quoi, il paraît que, voilà, assis au réveil, voilà. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Parce que, comme j'ai dit, il sortait avec des bimbos, avec des Angie, avec des Leyana, des je sais pas quoi, avec des bimbos quoi, avec des top modèles, tout ça. Après, je veux bien entendre son explication, comme quoi il est sorti avec des bimbos, que ça n'a pas marché, qu'il veut une fille plutôt gentille, sincère, tout ça. Je laisse le bénéfice du doute, mais sans bénéfice. Je laisse le bénéfice du doute, mais j'enlève le bénéfice. Je sais pas, je vais vous expliquer pour ceux qui arrivent en cours de route, qui n'ont pas suivi. Quand Nasdas s'est remis à snapper, moi il a débarqué à Saint-Jacques, à Perpignan, et Nasdas lui a reproché que pendant 3 mois, quand Nasdas il a arrêté de snapper, il n'a pas eu un seul coup de téléphone de moi, pas un seul message, pas hein, tu vas bien, tout ça. Donc il l'a rejeté, et donc il se serait mis avec Maria qui a intégré la team Nasdas pour pouvoir intégrer la team Nasdas, comme il a dit l'autre, comme il a dit Billy DZ, la carte de séjour. On dirait que c'est lui, il a fait la carte de séjour. C'est la carte de séjour de la team Nasdas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas. Donc, il y a eu aussi la story que j'ai bien aimé de Kinaï Santiago avec les poneys. Voilà, ça me rappelle une histoire quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je crois que c'était en milieu juin. Je devais être en CE2 ou je sais pas où. Ouais, je devais être en CE2 ou une autre classe. Et la classe devait aller faire du poney. Voilà, du poney là où on habitait. Mais malheureusement, le jour du poney, on est parti en vacances au bled et j'étais dégoûté. Voilà, pendant des jours, je rêvais des poneys carrément, je rêvais des poneys.
Mais une fois arrivé en vacances, pour compenser, parce que j'ai cassé la tête à mes parents, les poneys, les poneys, les poneys, les poneys, les poneys, ben, ils ont pas trouvé de poney là où on était en vacances, mais ils ont trouvé un cheval, un bébé cheval. Donc, j'étais monté sur un bébé cheval. Donc, après, les chevaux et les gitans, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire, notamment les gitans de Perpignan, les gitans catalans. À l'époque, au nord de Perpignan, les gitans faisaient de l'élevage de chevaux et travaillaient le cuir pour faire des selles, voilà, qu'on met sur les chevaux pour pouvoir monter. Les bottes aussi, ils fabriquaient des bottes pour les cavaliers et des blousons en cuir. Travaillaient le cuir, l'élevage, la terre. C'était au nord de Perpignan, l'actuel Vernet, voilà, l'actuel Vernet jusqu'à Bompas. Voilà, s'il n'y avait pas de cité HLM à l'époque, à Vernet, tout ça, au Vernet. Donc c'était l'âge d'or des gitans de catalans de Perpignan. On appelait ça l'âge d'or dans l'histoire, c'était la bourgeoisie gitane, voilà. C'était à l'époque parce qu'ils possédaient des grands hectares, des élevages de chevaux, le travail du cuir, le voyage, le commerce, les roulottes. Voilà les petites caravanes à chevaux, les roulottes qu'on appelait à l'époque. Donc c'était, on appelait ça l'âge d'or des gitans à l'époque. Petit clin d'œil, voilà, au gitano de la Catalogne, par la catalan, bandia. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Ça m'a fait penser à ça, les gitans sur les poneys, voilà. C'était, ils retournent à l'âge d'or, voilà. Mais l'âge d'or, excusez-moi, l'âge d'or. On dort. Parce que là, je dors. Excusez-moi. Non, je rigole. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Porque puedo hablar español, porque estudiaba español a la escuela y tengo muchos amigos de España, de Andalucía y de la Cataluña. Sí, es la verdad. Hombre, vamos, tío, coño, hombre, venga, va. Donc voilà, donc c'était les stories compilées des membres de la team Nasdas du jour. Pour ceux qui ont loupé les stories, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures, ou ceux qui veulent les revisionner une semaine après, un mois, un an après par exemple. Et pour ceux qui n'ont pas Snapchat, qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas Snapchat, pour ceux qui se sont perdus sur YouTube, Google, les mots de recherche, les recommandations, les pages de navigation, les tags, les mots-clés. Et pour ceux qui veulent regarder sur grand écran, par exemple via l'application YouTube, sur télévision ou sur Nintendo Switch. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos, donc je vous dis bye et à très bientôt. Tchuss.